Alors ça c'est important parce qu'on en voit de plus en plus. Là il y avait une vidéo hier où c'est à propos des flics qui se font mais, tellement pisser dessus. Où il y a deux, deux racailles qui... Enfin des racailles qui viennent emmerder des flics qui fument. Et les mecs, ils peuvent pas bouger, ils font que dalle, quoi. C'est fou, ils deviennent les empêcher de fumer leur club, quoi. Et donc là, un petit article là-dessus. Je rappelle qu'il y a eu je sais pas combien de suicides depuis le début de l'année. On est maltraité, insulté en permanence. Des policiers à bout de souffle témoignent d'un quotidien devenu insupportable. Face à leurs euh, insultes, agressions, nombreux sont les policiers qui exercent en Ile-de-France à témoigner du malaise qu'ils éprouvent au quotidien dans l'exercice de leur profession. Face à des conditions de travail devenues insupportables, ils se disent à bout de souffle. dimanche 5 mars, auprès de France 3, des policiers en Ile-de-France ont témoigné du malaise qu'ils éprouvent au quotidien dans l'exercice de leur profession. Ainsi, bien, ainsi, bien que la loi d'orientation de la programmation soit censée contribuer à l'amélioration la, de leurs conditions de travail, les fonctionnaires sont nombreux à prendre la décision de quitter la profession. Un CRS qui exerce ce métier depuis plus de 40 ans et partira bientôt à la retraite s'est confié auprès de nos confrères au sujet de ses difficultés. On est maltraité, insulté en permanence et ça touche tout de nos affaires à nos proches. Il assure même avoir interdit à ses enfants d'entrer à leur tour dans la police afin de les protéger. Environ 250 départs enregistrés en 2021. Putain. Même son de cloche du côté d'un trentenaire qui a décidé de se reconvertir, j'étais avec la brigade anticriminelle, et le soir, quand on patrouillait, on était toujours agressé, KSC, se souvient-il, auprès de France 3. Et d'ajouter, je ne comptais plus les coups et les cracheurs reçus. En fait, ils pourraient faire face à ça, sauf qu'en fait, comme on leur pisse dessus tout le temps, et ils pourraient faire face si on les protégeait, enfin si on était avec eux, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Aujourd'hui, le chiffre des démissions semble anecdotique puisqu'il ne célébrait qu'à 0,02% pour l'année 2021, d'après les informations de France 3. Des chiffres qui ont de quoi surprendre le secrétaire général adjoint de l'ANSA, police <coughs> Thierry Clair. Je pensais que c'était plus, tant que je sens des collègues de plus en plus épuisés », explique-t-il auprès de la même chaîne de télévision. Parmi les, près, parmi les près de 115 000 personnels actifs dans la police nationale, environ 250 départs avaient été enregistrés cette année-là sur nos confrères. Mi-février, nous nous étions fait ben, l'écho d'un article de CNews dans lequel nos confrères relataient le témoignage de deux femmes de poli policiers. J'avais fait euh, une petite news là-dessus. C'était assez euh, horrible avec leur famille qui se faisait euh, agresser. Enfin, ils remontaient jusqu'à leur famille. Ces derniers expliquaient être la cible d'actes d'intimidation et vivre dans une insécurité permanente qui les poussait à envisager de déménager en raison de la profession exercée par leur conjoint. Quelques mois plus tôt, au cours de l'été dernier, le Figaro avait évoqué dans un article le classement des professions les plus touchées par la violence, en tête figurait le métier de police nationale. Par exemple, ça, franchement, il faut les soutenir, les flics, il hein. faut vraiment les soutenir, Par part bien sûr quand il y a des bavures, mais c'est un truc de fou, quoi, c'est quand même notre force première, euh, voilà, n'hésitez pas à faire monter, à aimer, pour soutenir la police, pour faire monter cette euh, information comme quoi ils sont quand même bien, bien dans la merde, quoi, Putain, les... face à, bah... c'est la première ligne, hein. face à l'ensauvagement, on va dire, de la société.